parti lui. Bon. C'est bon, c'est bon, du calme, du calme, du calme. Non, du calme. Non, non, il ne tire pas dessus. Ouais, poto, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma... Oui, bonjour. Allô? Vas-y, reste là, je vais voir qui c'est. C'est bon? T'as dit quoi? Y'a personne qui me répond, je suis parti au quartier familial, y'a personne. Ouais. Je tournais pas en ville. Si je vois quelqu'un, je t'appelle. Genre, vas-y, c'est bon, je suis déjà courant. Vas-y. Toi, t'es là tard ou pas? Ouais, un peu. Vas-y, écoute, si j'ai un appel ou quoi que ce soit. Vas-y. J'ai dit à ton neveu de venir te voir. Ok, hein, ça marche, attends, parce que je suis avec un. Vas-y. Bonjour, monsieur, désolé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, on a envie que vous recrutiez. Ouais, on recrute. Ben, on aimerait postuler. Ah, parfait. Je suis en train de lui faire la présentation. Impeccable. C'est vous le patron? Le futur collègue, en fait. Je suis le copatron, ouais, c'est ça. Ok. Je vous montrerai les différentes étapes. Ah, vous m'embauchez direct? On embauche tout le monde au début et on voit en fonction de, qui bosse de comment ou pas. On travaille. Exactement. Ok. Venez, je vais vous montrer, ça commence ici, là. Ah, mais c'est un métier de farm, je crois. Faire le petit topo, vous êtes payé 20 000 $. Vous avez un salaire fixe de 20 000 $. Par quoi? Par semaine? Par semaine, c'est ça. Et vous avez aussi un bonus avec les produits que vous fabriquez. C'est un métier de farm, au pire, je vais pas former. Hein. Ouais. Et le salaire peut monter jusqu'à 30 000 $ par semaine. Ok, mais nous on a des compétences un peu particulières, ça veut dire on aimerait peut-être intégrer le pôle communication ou un truc comme ça plutôt que... Bah faut faire comme tout le monde, faut qu'on commence au bas de l'échelle et tout dépend de comment vous bossez, vous pourrez peut-être évoluer. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, j'ai des études quoi, donc ça me fait chier de commencer en bas de l'échelle. Bah c'est un abattoir monsieur, hein. Je sais pas... Ouais, mais parce que la dernière fois que j'ai parlé avec le patron, il m'avait dit qu'il y avait peut-être d'autres postes. Bah à voir, quand le patron sera là, je peux mettre en contact si vous voulez. Ouais, je veux bien. Mais en tout cas, il va pas tarder normalement à arriver d'ici quelques temps. Du coup, je peux peut-être avoir votre numéro et vous rappeler à ce moment-là. Ouais. 02... C'est... Donnez-moi le vôtre. 444 43 21. C'est quoi votre nom? Ulysse. Il s'est fait braquer. Attendez. Ils sont en train de descendre. Faudrait descendre. Ouais, bouge pas. Ok, je m'en vais. Aïe, putain. Aïe. Allez, bouge plus, toi, tu bouges plus. Tu bouges toi, plus. C'est toi qui bouge plus. C'est toi qui bouge plus. Non. Ouais, c'est toi qui bouge plus, d'accord. Ah non, monsieur. Ok, baisse tes armes. Allez. Ok. On se rend. On fait un 25 ou on baisse nos mains? Ok, je lève mes mains, regarde. Tu veux faire quoi? Y'a un bain de sang, tu vas me buter, ils vont tous te buter? Réfléchis un peu, juste réfléchis 2 secondes. Réfléchis 2 secondes. Tu vois qu'il a une automatique. J'ai un réflexe de merde, ouais, c'est dans la tête, ça, lui il en a rien à foutre. Mais écoute, par contre, c'est qui vous ce mec tous. C'est le mec de la dernière fois. Baisse tes mains. Est-ce que c'est le mec de la dernière fois, oui ou non? Écoute-moi, Mads, écoute-moi, t'as pas à savoir. Baisse tes c'est mains qui, pour ce le moment. Ouais, derrière le commissariat, il va y avoir des flics qui vont passer. Il y a des flics qui vont arriver, j'ai vraiment pas envie que ça se passe exactement. Comme ça. Mais ouais, moi non plus. J'ai juste besoin de putain d'explications. Qu'est-ce que les explications vous on va les faire comme ça?
Baisse tes mains, on va parler. Alors Lorio va venir avec nous. Ok, ok, on va faire un truc. Vous allez reculer, vous allez remonter dans la petite ruelle là, tiens. Et on va continuer, on va continuer à se braquer, mais un peu plus à l'abri. Appelle-moi petit trou du cul. Non, 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 toi tu bouges plus, tu viens là. Espèce de sale traître. Tu trahis ton meilleur ami, t'as pas honte? Comme tu veux. Tu trahis ton meilleur ami, t'as vraiment pas honte? On reste là. Toi, bouge, bouge, bouge. Ton soi-disant meilleur ami, tu me trahis comme ça? T'as rien compris, tu comprends rien. C'est qui lui? Bon. C'est bon, du calme. Non, non, il ne tire pas dessus. Du calme, stop, arrête, okay, c'est moi. Ok, est-ce que t'aurais un pseudonyme ou quelque chose? Moi? Oui, toi. Là, y'a vraiment les flics qui vont arriver par contre. Ouais. D'accord, et bah c'est vraiment dommage. J'ai pas niqué. Et bah c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, d'accord? Ah, recule. Rends-toi. Écoute, je sais pas comment tu t'appelles. Tu sais très bien que tu n'es pas en position de force, Matt. Tu le sais. Tu le sais très bien, je te l'ai dit. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. S'il te plaît, écoute mes paroles. Ouais. Ok. Tu penses que là, en me butant, c'est fini? Ok, bute-moi. Je vais pas te buter, Ces mecs-là, ils vont te buter. Je veux que tu m'expliques. Ça sert à rien. Exactement, je ne veux pas donc, te buter. Tes armes. Mais t'es un vrai traître. Vous allez. Je t'écoute. On fait les bébés cadomes là pendant 30 ans ici ou il y a les flics qui. Les flics, on attend les flics. On va dans la ruelle à gauche, Tu veux me parler, on parle ici, d'accord? Pas ici. On va pas faire un mouvement plus. Je vais perdre patience. Il va perdre patience. Comment il s'appelle ce mec? Tu n'auras pas ses réponses. Si t'es venu, c'est que tu tires un minimum à lui. Donc t'as pas envie de. Coach qui est passé. Tu n'auras pas ses réponses. Allez, libère-le. On le prend avec nous. C'est qui ce mec? Libère-le, on le prend avec c'est nous. Bon. Non, tu ne le prendras pas. Allez, si on va. Tu sais très bien comment ça va se passer. Ouais, ben ça va se passer comme ça, malheureusement, il y a pas le choix. C'est soit on le récupère, on se la donne plus tard, soit on se la donne maintenant. Va falloir faire un choix, Matt. Tu veux qu'on se la donne plus tard? C'est toi qui choisis. Tu veux qu'on se la donne plus tard? Tu me donnes un rendez-vous. Ça va être simple, tu vas me donner un rendez-vous, ok? T'as un numéro de téléphone, mon gars? Écoute, Matt, tu sais très bien que le temps ne joue pas en ta faveur. Si, le temps est clairement en train de jouer en ma faveur. Vous savez pas qui est en train d'arriver, c'est ça? Bah, tu sais toi non plus. La flicaille, qu'est-ce que je m'en branle? Par contre, faut qu'il fasse un truc, Vertigo. Écoute, on va faire un truc simple. Lorio, il va venir avec moi, d'accord? Non. Si, il va venir avec moi. Non. Je vais le relâcher un peu plus loin. Il va me donner une coordonnée de toi, d'accord? Et on va se parler un peu plus loin. Y'a pas besoin. On va se parler un peu plus loin, ok? Je saurais te contacter, t'en fais pas. Je pense que c'est intelligent. Écoute, Matt. Un conseil. Baisse tes armes. Je m'en astique la nouille, s'il vous plaît, écoutez-moi. T'es sûr, Matt? Bouge-toi, bouge. Tu as littéralement. Je vais le canarder. Une minute. T'as littéralement. Je vais le canarder. Une minute. Vous avez une minute pour reculer ou je le canarde, c'est bon? T'as une minute pour baisser tes armes, Matt. Vous avez vu? Là, je vais pas contenir tout le monde pendant 5 minutes. T'as littéralement une minute pour venir. Pour baisser tes armes. T'es pas en position de force. Ok, Mats, tu as littéralement une minute pour baisser tes armes. Allez, là on perd du temps, c'est pas bon. Et voilà. T'as vu, Mats, recule. T'es en train de mourir. Va mourir. Lorio, recule. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois reculer? Ouais, recule. Viens vers moi. Non, Lorio, t'avances pas. Ah, pas bien. Mats, t'es en balcon. Matt, t'es encerclé, hermano. Alors je vous souhaite félicitations, vous avez réussi à nous baiser. Baisse tes armes. Jette tes gars de tous baisser leurs armes. Jetez vos armes. Journaliste. Jette tes gars de baisser leurs armes. Non, mais j'avais pas plus. Tiens, reprends ton arme. Ok. Tu nous suis, Matt? Ok, ouais, maintenant c'est toi qui nous suis. Allez. Allez, on y va. T'es un lâche, Lorio. Rudik, mon gars, c'est un lâche, je te nique ta mère, Matt, par contre. Pas de geste brusque et tout se passe bien, ok? On vous le ramènera. Les gars! Peut-être. C'est bon, on a récupéré. Je vous aime. On va retourner là. Vas-y, Fred. Tu voleras pas mon véhicule, toi. Faut que je monte à l'arrière. Boss! Attends, moi. On est dessus ou pas? C'est bon, je l'ai. Donne-moi ton Matt. Tiens, je te le donne. Regarde, écoute-moi. Tu m'as prouvé encore une fois que t'étais un baiser. Non. Si, mais regarde, tu voulais prends-lui ces trucs, Lorio. Lorio. Donne-moi ton téléphone. Là, c'est maintenant qu'ils arrivent, les babos, wesh. Okay. Lorio, tu m'as baisé, d'accord? Tu m'as prouvé encore une fois, tu m'as dit viens tout seul. Viens, on va parler, je t'ai dit t'es sûr, je viens tout seul, t'as vu?
Eux, je les ai appelés après. Je les ai appelés après. Arrête. Non, tu me mens. Tu te mens à toi-même là. D'accord, tu peux le jurer sur tes couleurs. Mais bon, maintenant, ce n'est plus de ma génération. Vas-y, jure-le. Attends, jure-le, Lorio, comme ça au moins il le sait. Je te le promets, je te le jure sur la Santa Maria que je les ai appelés après. Une fois que j'ai vu tes gars qui étaient en haut. C'était prévu que vous venez me baiser. Non. Mais c'est qui ces gars en fait, Lorio? Pourquoi t'as essayé de me baiser encore une fois? Et parce que tu m'as baisé, tu me l'as avoué par téléphone. Et pourquoi j'ai fait ça? Mais je sais pas moi. Parce que tu m'as baisé. C'est ça que j'aurais voulu comprendre. Donc ça part de toi. Je vais te demander juste d'enlever ta casquette, s'il te plaît. Ouais. Vertigo. Et parle pas avec moi, je parle pas avec les lâches là. Parle avec Lorio, sinon je vais te niquer ta mère. T'as compris ou pas? Est-ce que tu m'as compris? Ouais, j'ai compris. Putain madre de merde. Il est derrière toi, Lorio. Pourquoi tu fixes derrière? Il a envie de savoir je suis qui. Exactement. Ouais. Là, il est omnibulé par ça. Il s'en fout de Lorio maintenant. Là, c'est derrière qui s'intéresse. T'as calvitie de type troll, là. C'est qui, lui? C'est qui, lui? Qui dit ça, là? C'est mon mot sur le coucher. Et pourquoi tu me fixes? Qui ça? Toi. Skin. Quoi? Non, attends pour moi. Dis-moi ce que tu regardes. Là, je regarde le sol. Ok, il faut que tu regardes Lorio là. Là, c'est avec Lorio que tu dois t'expliquer. Explique-moi ce que je t'ai fait, Lorio. Tu m'as baisé. Je te rappelle plus de rien, apparemment. Explique-moi ce que j'ai fait. Lors du braquage. Je te rappelle du braquage. Ouais? Je te rappelle de ça. Tu m'en avais pas. Tu t'es fait péter pour ça? Non. Je me suis pas fait péter pour ça. Quoi? Je te parle de ce qui s'est passé après le braquage sur la montagne. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te rappelles ou pas? Ouais. Essaye de. C'est flou, je sais que c'est flou. Essaye de te remémorer un peu cette étape. Ah oui, on avait nagé. Non, quand tu m'as braqué, tu m'as pris mes armes. Je t'ai braqué. T'as pris toute la thune pour toi. D'ailleurs, la thune, c'est toujours toi qui l'as. Bizarrement, t'as pas vu dans la caravane qu'il y avait encore toute la thune? Non, dans la caravane, justement, il y a plus de thune. Juste, je me permets là. Elle est où la thune? J'en sais rien du tout. Comment ça, t'en sais rien du tout? Vraiment, Lorio, pour ce qui est de la thune, vraiment, j'en sais rien du tout. Tu me baises encore une fois, c'est ça? Non, je te baise pas, je te le jure. Si. Non. Ok. Je vais être honnête avec toi. Une demi-heure après ce que t'as fait, je suis arrivé. J'étais avec ta copine, je t'ai cherché, je t'ai braqué et je t'ai tiré dessus en t'expliquant pourquoi je le faisais. Parce que t'as essayé de me baiser, parce que tu m'as baisé. Sur la montagne de Sandy Shore. Exactement, tu t'en avais mort, c'est bon? Oui. C'est la montagne de Sandy Shore. Comment on en est arrivé là, Lorio? C'est à toi que je pose la question. Quelles ont été mes raisons pour que je fasse ça? J'en sais rien. J'en ai fini avec lui, sinon je vais faire la même connerie que j'ai faite la dernière fois. Cette fois-ci, il se relèvera pas. T'es sûr? Tu veux que je le fasse? Je pense qu'il a des choses à savoir avant. Détourne-toi. Ouais, tu déconnes. Ah, c'était une blague. Non. C'est vraiment Lys. Pas une blague là. Sache-le. Selim. 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 Ulysse. Selim Brabus. Enchanté. Bonsoir. Mais. Ulysse c'était du car à l'oignon. Du? C'était de la couille en barre, Ulysse. Ouais. Mais je t'avais proposé de rejoindre le club. Ouais. Je t'ai présenté mon fils.
Tu m'as présenté tes enfants, tout ça. Oui. Ça fait quoi de se faire baiser, Mads? C'est exactement la sensation que j'ai eue avec toi. Ulysse, t'es gars cool, on déconne bien ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait? Votre groupe. Trop de questions, malheureusement. Je te rappelle quand vous m'avez harcelé pour savoir qui j'étais. Vous avez fait un rendez-vous avec les Lazaro. C'est Lazaro qui arrive. Hein? Quand la barrique s'est permis de poser des questions à ma femme, a lui manqué de respect. La barrique a manqué de respect à ta grand-mère? Ouais. Ah merde. Je suis désolé. T'es désolé? Ouais. Matt, c'est pas contre toi. Je veux le concesse. Écoute, pour le concessionnaire, écoute, je peux que te le donner, oui. Mais si ça tiendrait qu'à moi, je te le donnerais. Ouais. Malheureusement, mon patron, il est pas là. Ouais. Enfin, le patron du concessionnaire. Malheureusement, Bad, tu vas être le maillon qui va briser la chaîne. Comment ça? Tu veux que j'aille le voir et que je lui dise de non, te le donner? Non, tu pourras pas aller le voir, Bad. Tu vas me tuer? Ouais. Tu pourras me donner le top quand tu vas me tuer, Ulysse. Pour? J'aimerais dire quelque chose avant de mourir. Dire quoi? Ou au moins faire quelque chose avec Lorio. Lui donner quelque chose. Donner s'il quoi? S'il te plaît, comment ça? Une lettre qui donnera à mon fils. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. T'en penses quoi, Lorio? J'accepte. Merci. Je peux aller lui donner? Va. Il s'appelle comment? Il s'appelle Abel. Et si plus grand a l'occasion de le voir, j'espère que tu lui diras que son père, il l'aime. Tu pourrais lui dire que t'étais un ami de son père. Je lui expliquerai. Tiens. Tu pourras le voir au concessionnaire. C'est là-bas t'inquiète où il crèche pas. Le petit mio. T'inquiète pas. Je m'en occupe. Ça me brise le cœur, hein. Je m'en occupe. Ouais. Est-ce que vous pouvez me permettre de faire une dernière chose aussi? Ouais. Ça, je pense que ça va être assez compliqué. Mais au moment que j'aille récupérer mon cuir, j'aimerais mourir avec mon cuir sur moi. Je veux vous me déposer à 40 000 si vous voulez. Je récupère mon cuir et vous me butez avec, s'il vous plaît. Mon grand. Je vous en supplie. Il n'y aura pas de baise. La dernière fois que je l'ai laissé, c'était au magasin de vêtements à la gonzesse, là, Christelle. S'il vous plaît, laissez-moi mourir avec mon cuir. Je suis président d'un club. Donne-moi la barrique. Il est pas là. Il est où? Il est parti au Michigan, là, quelque temps. Comme le patron. C'est vraiment pas de chance. Ouais, vraiment pas de chance, ça. Amenez-le, là, je cherche son cœur. Merci. Allez, viens. Viens. Tiens. Tu veux qu'on fasse ça où, Mads? Vous me laissez vraiment choisir le lieu? Ouais. À côté de la tombe de ma fille? Non. Ouais, c'est trop public. Écoutez, je vais pas vous faire déplacer dans le nord. Je vous aurais été sur une montagne, mais laissez tomber. Trop de tracas. Elle est vraiment bonne cette bière, Lorio. Vraiment. Ulysse, enfin Céline, tu partages une bière? Non, merci. Je bois pas. J'ai jamais bu en fait. Et quand on avait partagé la bière? J'ai fait semblant de boire. Donc, depuis le départ, t'as tout prévu pour avoir ce concessionnaire. Je suis désolé, Maz, mais bon. C'est qu'on peut s'arranger pour que t'aies le concessionnaire s'il faut. Je peux te
le donner avec ton... C'est pas qu'une question de conseil, c'est une question de... T'as quelqu'un au barrio ou pas ? J'ai fait beaucoup d'erreurs avec vous qui pourraient me casser les couilles entre les mecs de ton groupe qui questionnent ma femme, qui font des réflexions sur mes tatouages, qui me soupçonnent des choses. Malheureusement, tu vas être le premier d'une longue liste, Matt. On peut peut-être essayer d'arranger les choses. Parce que si tu cherchais à exterminer tous les bikers, ce serait dommage. Qui tire ? Pour des quiproquos. C'est pas des quiproquos, Matt. C'est... Oui, c'est juste que, bon... Tu sais que... Je peux te jurer sur mon cuir. Que si tu me laisses me barrer, on te fera strictement rien. On n'a strictement plus rien à voir, vous et nous. Le business... Tu viens pratiquement plus au concesse, et quand tu viens au concesse, les gens voient Ulysse et... Arrête de me faire culpabiliser, je vais te tuer dans tous les cas, Matt. Je cherche pas à te faire culpabiliser. Je cherche juste à essayer un terrain d'entente pour mon club. Regarde, là tu vas tuer le président. Je vais te tuer toi et tous les autres gars de ton club, Matt. Ouais. Au moins tu pourras les tuer avec leur cuir, j'espère. On verra. Elle était délicieuse cette bière, Lorient. C'est qui sa mère ? S'appelle Grace Kelly. Ok. Elle habite 4 rue Olval et Sandichamp. Ok. C'est bon, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt à me déplacer pour aller me prendre ma balle. Ça va être ici, je pense, hein ? Ok. Vous pouvez me laisser me suicider ? Non. Ok. Bah, Elise, j'aimerais te dire que c'était un plaisir de t'avoir connu. Vertigo, à toi. Il y a eu des différends entre nous. Mais bon, c'était un plaisir de déconner. On se reverra en enfer, Matt. On se reverra tous en enfer. La grande faucheuse va nous accueillir. Est-ce que vous pouvez me laisser réciter une parole, s'il vous plaît ? Fais. Oh, grande faucheuse, je te demande, moi qui t'ai servi toute ma vie, de m'accueillir dans les bras de l'enfer. S'il te plaît, grande faucheuse. Merci. Starfaller, wesh. Adieu, Matt. C'est vrai, échec et Matt. Le boulot est pas fini. Sred nous attend. Vous le prenez, vous le ramenez à l'hôpital, qu'il se fasse incinérer correctement, enterrer correctement. Faites passer le message au biker comme quoi il est mort, comme quoi c'est Ulysse qui l'a tué. Non, je le dirai moi au biker. Ok ? Je dirais moi au biker, mais faites-leur bien passer le message comme quoi il est mort. Ok. Louis, quadrille toute la zone, il y avait une sultan qui tournait derrière là. On va te canner, je crois. Ouais, apparemment c'est toi le méchant de l'épisode. Ça, mais non. Quoi? Sred. Ouais. Ça va, Vertigo? Ça va et toi, Sred? Ah, pof, pof, hein. Arrête de manger, profite. Lâche ton maïs, là. Du coup, tu voulais parler? Pourquoi ça me menace? Si. Je veux que tu me répètes ce que tu m'as dit à la dernière fois. Je te répète quoi? Tu vois pas Yaki à ma droite, à ma gauche? Comment il s'appelle déjà? Tu vois c'est qui ou... Vous m'entendez ou pas? Ouais, attends. Comment il s'appelle déjà? Kala. Ouais, Kala, oui, je me rappelle ce qui se passait la dernière fois. Ah, m'explique-lui. Bon, c'est simple. Déjà, pour commencer, avant de raconter, je voudrais faire savoir que le labo de coke, j'ai rien à voir là-dedans, et tu le sais, Vertigo. C'est pas moi qui... J'ai rien à voir avec ça. Par contre, le labo de maître, c'était moi. Tu vois, Kala, t'as été virulent avec moi, et tes amis Nero et Vertigo m'ont dit que tu te méfiais de moi, je sais pas pourquoi, tu te méfiais de moi, et que tu m'aimais pas. Du coup, moi, j'ai voulu faire en sorte que tu te rapproches de moi, parce que moi, je sais que je peux vous apporter que du positif, sauf que j'ai merdé, mon plan, il était foireux. Ce que j'ai voulu faire au labo de maître, c'était de la merde. T'étais pas censé être là, en fait, Kala. Je te rappelle. Tu m'entends, Kala? Ouais. T'étais pas censé être là au labo de maître, je voulais juste qu'il y ait... Mario, salle de torche. Qu'il y ait juste Nero, Vertigo et moi. Et en gros, je voulais nous foutre tous les trois en prison.
et que tu viennes nous sauver et que du coup, bah, t'as confiance envers moi, du coup aussi, bah, comment ça se crée, tu vois, parce que, tu vois, tu sais, j'ai travaillé avec un homme qui s'appelait Diego, je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Et c'est quelqu'un qui était, c'était le plus gros criminel de tout Los Santos et du Mexique. Il vendait des armes, il blanchissait, il vendait des armes. Je m'en Mais pourquoi ? Va au but. Bah, c'était juste que... je voulais travailler avec toi, c'est tout. Mais j'ai l'impression que tu te méfies de moi et je sais pas pourquoi. Parce que t'es un clochard ? Je te demande ton cas. Ça se tient ? Et alors ? Mais pourquoi ? Parce que t'es un clochard. Et pourquoi tu te méfies de moi parce que je suis un clochard ? Parce que les clochards avides d'argent ont aucune dignité, donc aucun mal à vendre leur cul. Pour n'importe quoi. Sauf que j'ai jamais trahi personne avant ce qui s'est passé à Dar. T'as jamais trahi personne, mais pourtant, Shrud, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Tu travailles étroitement avec le FBI. Non. Non. C'est faux. C'est faux. J'ai déjà travaillé avec eux, mais il y avait une raison. Non, je travaille étroitement avec eux. Oh, c'est quoi étroitement? Il y a des keufs. Évidemment. Okay. Évidemment. C'est pas moi qui les ai ramenés. Non, je vous promets. Venez, on va à un autre endroit si vous voulez. C'est pas moi qui les ai ramenés. Oh là là. Je suis suivi toute la journée en ville, je vous jure. Allez voir les keufs. Ils posent des barrières. Les gars, des barrières. Non, venez on se casse. Venez, on trouve un autre endroit. Parce qu'il y a une vache par terre. Je vais dehors, je dis que tout se passe bien. Et vous me surveillez. Si je fais le moindre geste brut, vous me butez, c'est bon? T'as une puce dans le cul ou quelque chose? J'ai rien. Ok, vas-y, c'est bon, j'arrive. Si vous voulez, je sors, je dis que tout se passe bien et vous me butez si ça se passe bien. Non, c'est bon. Arrête de stresser, mon pote. Je stresse pas, au contraire, j'essaie de vous arranger la situation. En fait, c'est fou que. C'est marrant. T'as failli faire tomber tout le monde parce que c'était une poucave. Et t'es tombé parce qu'au sein même du FBI, il y a une poucave. Tu trouves pas ça ironique? Non, mais ils me l'ont dit qu'ils ont poucave. Je suis venu tout en sachant. Voilà. Non, ils t'ont dit ce que officiellement ils ont poucave. Ils t'ont pas dit ce que officieusement un de leurs ripoux de merde a poucave. La poucave quoi? Tout. Tout ce que t'es. C'est quoi tout? Tout ce que t'as fait depuis le début, toute la collaboration que t'as avec eux. Laquelle? J'ai rien fait pour eux, dis-moi. Tout. Bah explique, vas-y. Je suis pas là pour me justifier, moi, Shrud. J'ai rien fait de mal avec eux, j'ai trahi absolument personne. Et tu pourras jamais prouver que j'ai trahi quelqu'un. Mais prouver quoi à qui? Je m'en fous. Bah non, mais t'essayes de me faire dire que... Non. Ah non, je te demande... Ça, peu importe ce que tu vas me dire. Hein. Non. Moi, tout ce que je te dis, c'est que... Les keufs, c'est bon, du coup? C'est bon. Ouais, c'est bon. Le moment où j'ai travaillé avec eux, c'était pour une raison précise. Mais Shrud, tu peux me raconter ce que tu veux? Ouais, mais c'est toi qui me demande. Ah, je t'ai pas demandé, je t'ai affirmé. Non, moi je te dis que c'est faux. D'accord. Et pour le plein du labo de Med, bah j'assume, je suis venu vous le dire, voilà, j'ai rien à cacher. Oui, mais tu comprends bien que c'est pas parce que t'assumes que... Je sais très bien, je l'ai dit à Vertugo, je sais très bien. Tu sais bien ce qu'en général les gangsters pensent des balances? Je suis pas une balance. J'ai jamais balancé. Sais des trucs sur vous depuis très longtemps et j'ai jamais rien fait. Surtout que, bon, proposer un labo pour après toi-même le balancer derrière pour que les gens se fassent arrêter, c'est moyen. Et dans tous les cas, même si jamais tu pensais pas que j'allais être là, Nero, c'est un très proche à moi. Vertugo aussi. Et le troisième mec aussi. Je peux pas laisser passer ça, Shrud, tu t'en rends bien compte. Je m'en excuse, j'ai merdé. Ouais. J'ai merdé. J'ai fait de la merde, j'ai merdé. Franchement, je suis arrivé l'autre jour chez Vertugo, il pourra te dire, j'étais pas bien, j'étais. Je serais pas venu sinon. Je sais que j'ai merdé. Si je savais que j'avais pas merdé, je serais jamais venu. J'ai fait de la merde et. Et moi, je te le dis, je travaille avec tout le monde, je suis du côté de personne, je voyais aucun mal. Tout ce que je voulais, c'était mes intérêts personnels. Je voulais pas vous baiser, je voulais pas faire quoi que ce soit. J'ai toujours tout fait pour que vous avanciez. Ouais, comme t'as dit, tu travailles avec tout le monde, Shrud. Oui, mais j'ai jamais baisé personne. Et tu sais, Nero, je m'en excuse pour lui, je sais que je l'ai blessé. Shrud. Quoi? C'est qui la moto qui tourne là, type biker? Je vous jure que je suis venu tout seul, on me suit depuis 30 minutes en ville, tout le monde essaie de me suivre, je vous jure. C'est normal, tout le monde essaie de le tuer.
Alain, d'aller checker, il est caché, il est dans les pavillons et... Ouais, je check quand même, je check. Depuis tout à l'heure, il y a les poyos qui tournent, j'ai eu une info de la LSPD qu'il fallait surveiller notre quartier. Tu m'expliques ça? Quoi? Pourquoi il y a une info, je vais te recevoir une info de la LSPD comme quoi... J'en sais rien, je vous aider si vous voulez, on change d'endroit. Prends la moto et rapproche-toi de la porte. Je vais vous le faire. Vas-y, nickel. Parcours de circonstances, tu comprends bien que tout ce que tu dis tombe à l'eau. Quand je vois que les poyos cadrent mon quartier alors que ça arrive jamais. Ah oui. Par hasard quand t'es là. Oui, je viens tous les jours depuis deux mois, j'ai jamais ramené la police chez toi. Mais bizarrement là quand t'es pris en otage. Oui. Ta ville, mais venez, on change d'endroit si vous voulez, je vous le dis, putain. Venez, on bouge d'ici. Arrête ton cinéma. De quoi j'arrête mon cinéma? De quoi arrête ton cinéma? Quel cinéma tu parles là? Hein? Bon, j'ai avoué mes torts. Moi, je sais que j'ai merdé et je m'en excuse. Je lui envoie la poste si jamais s'il est là. J'ai merdé, j'ai fait un plan foireux, je vous ai mis dans la merde, j'ai failli vous mettre dans une merde sombre. Je regrette aujourd'hui, vraiment, Vous savez, j'ai jamais voulu vous mettre dans la merde. Je sais des choses sur vous, je sais par rapport aux armes, je sais plein de choses. Je l'ai jamais poucave, je l'ai jamais dit. Le seul truc que j'ai voulu faire, c'était par internet personnel et c'était égoïste. J'ai fait un acte complètement égoïste. J'ai voulu mettre tout le monde dans la merde, juste pas pour mes propres intérêts. Voilà. Il y a un héros qui arrive. Tu sais que tu vas y passer, Sred. Oui, je sais. Si je dois y passer, bah tant pis. Hein. Écoutez, c'est votre choix. Non, c'est le tien. Oui, c'est le mien aussi, oui. Mais pourquoi faire ça? Tu croyais vraiment que nous faire entrer tous en prison, ça allait te rapprocher? Togo, juste, t'as vu, quand je parle, ne fais juste pas l'acteur. Tu sais très bien tout ce qui s'est passé, tout ce que je t'ai dit. Mais je fais pas l'acteur, mais qu'est-ce que tu parles d'acteur, là? Arrête, s'il te plaît. Hé, écoute, moi, je vais te dire un truc. Moi, tu m'as dit un truc, je lui ai dit. Donc, faut arrêter de dire l'acteur, pas l'acteur. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, dis-moi, vas-y, ok, dis-moi. Moi, tout ce que je sais, c'est que on a vu un agent du FIB qui nous a dit que tu lui donnais plein d'informations. C'est bon, là, c'est bon, t'es d'accord. Là, je reçois un appel des poyos, là, maintenant, qui me dit que la zone, elle est quadrillée par les poyos. Vas-y, demandez-lui quelle info j'ai donnée sur vous. Ça sera intéressant. Il y a un poyos qui arrive. Vas-y, demandez-lui à votre équipe quelle info j'ai donnée sur vous. On a le mec en moto, hein, si jamais on l'a attrapé. Ouais. Parfait. Pétez-le. C'est déjà fait. C'est bon, t'inquiète, il arrive, là, il va le ramener. Tu le ramènes. Et Seigneur Kala, votre moto, elle est pas là, du coup, on va préparer un truc. Ma moto, elle est pas là? Ouais. Ah oui, c'est vrai, putain, je suis bête. Ok, nickel. Bah, préparez-moi une moto. Ouais, vous inquiétez pas. Vous voulez pas qu'on change d'endroit? Il y a toute la ville qui va se ramener ici, vous le savez, putain. Et si on change d'endroit, bah, il y aura encore toute la ville qui va nous suivre. Donc ça sert à rien. C'est très bien que tu payes une poucaf. Oh non, on le sait vraiment pas bien. D'ailleurs, le FBI, c'est pas le FBI qui s'est pointé au labo de Metz, c'était les keufs. Il y avait aucun rapport avec le FBI. Oui, c'est... Oui, bah oui. Justement. J'ai jamais travaillé avec les keufs, jamais. Je savais tout pour Neuro. Attends. T'as jamais travaillé avec les keufs? Jamais. Ok, donc pourquoi c'est les keufs et pas le FBI qui sont venus? Parce que je voulais pas vous mettre dans la merde. Les FBI, ils sont armés jusqu'aux dents. Allô. Ça va te le mettre, l'opinel, hein, je crois. Non, ramène-le pas. Hein. À qui? À moi? Ouais, pourquoi tu veux me mettre en l'opinel? Tranquille. Non, mais tu. Ça va, Lorio? Attends, Sred, tu te rends compte que ça a pas de sens ce que tu dis là, du coup? Pourquoi? Je travaille pas avec la police, mais c'est la police qui est venue et pas le FBI. Mais parce que je sais que la police, c'est des sgecs, tu le sais très bien. Donc, elle travaille avec la police? Non, j'ai juste appelé la police, c'est tout, juste sur ce moment-là, c'est tout. Non, t'as pas appelé. Policier, même pas. Tu te dis pourquoi t'as pas appelé la police? Pourquoi? Dis-moi pourquoi t'as pas appelé la police. Et je te jure, après, je te dirai. J'ai envoyé un message au commandant. J'ai envoyé un message une fois, une position. Okay. Tu m'as accusé à tort. Ok. En disant que j'avais mon. Je regardais mon téléphone. Ok, maintenant je vais te dire. Le commandant, on l'a kidnappé. Bah oui, c'est à lui que j'ai donné la position. Ok, on l'a kidnappé, on lui a pris son téléphone. Bah oui, bah appelez-le tout de suite. Ah non. Oui, bah comme écoute, c'est bien ici. Et... Le commandant, on l'a kidnappé. On lui a pris son téléphone. On lui a dit comment vous avez reçu la position. Il nous a montré son téléphone.
C'était une source du FBI. Il a supprimé alors. Non, non, il nous l'a montré. Il nous l'a Je te jure que. Il nous a montré que c'était le FBI qui l'avait prévenu. Je te jure que c'est pas le FBI, je te jure que j'ai envoyé la pose au commandant. Sinon, pourquoi c'est la police qui se pointerait? La police et le FBI ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Si j'avais prévenu le FBI, c'est le FBI qui serait pointé. Je veux qu'il y a des hermanos qui sortent un peu dehors, faire comme si de rien se passait. En plus, tu me dis que tu savais pas que j'étais là quand t'as envoyé la pause. Non, t'étais pas censé être là. J'étais pas censé être là, mais j'étais là et du coup tu l'as fait quand même. Ouais, mais parce que. Parce que. Tout était déjà. Tout était déjà mis en place. Exactement. Donc t'as pas juste envoyé une pause comme ça par. J'ai prévenu le commandant. T'as prévenu le commandant à l'avance, d'accord. Mais via un message oui, oui, anonyme. C'était... Ouais, c'était bien prémédité quoi. Mais parce que je pensais pas que t'allais être là. Ouais, ah okay. Oui. Mais... Non, mais ok, ça marche. Et imagine, hein. Ouais. Si je vous avais pas libéré de prison. Sors-toi. Bah, j'aurais trouvé un moyen. Ah, t'aurais trouvé un moyen, d'accord. Plus intelligent que tu ne le crois. Ok. Et j'aurais sorti tes amis de prison, tu m'aurais fait confiance. Non. Regarde, moi je vais dire ce que je pense. Dis-moi. Je vais donner ma théorie. Attends, une seconde. Ok, moi je pense que tu voulais que je me fasse arrêter pour que tu saches qui je suis. Jure que non. C'est trop bête, c'est nul, c'est à chier. Non, je te jure. Oui, que non. Peut-être. Mais moi, c'est ça ma théorie, moi. Non, c'est non. Je te dis okay, non. J'en ai rien. J'ai pas, c'est pas dans mon intérêt que tu sois au fond. T'es quelqu'un qui pouvait potentiellement me faire grimper. C'est juste pourquoi ça que je voyais. Dans c'est quoi tout. Rien. Parce que quoi? Je sais que t'es le patron de Nero. Oui, et. Et je sais que Nero, il a... Il a? Il a des grosses armes. Il a des grosses armes, Nero? Ouais, les gens, ils parlent beaucoup. Tu vois, si je voulais, j'aurais pu mettre des gens dans la merde. Oui, mais ça a rien à voir avec moi. Nero les a achetées. Ces armes. Espèce de fils de pute! Fils de pute, je te déteste, fils de pute! Fils de pute, il est pas mort encore! Fils de pute d'SDF! Ça tire! Sale traître de bâtard de... T'es mort de sale chien de traître, moi! Moi, tu me baises, moi! Nous, tu nous baises, nous! Fils de pute, va! La confiance qu'on t'a donnée, hein! Sale bâtard, va! T'es là, tu fais la manche toute la journée! Tu fais pas la manche que de l'argent, tu fais la manche de la confiance et tout, sale bâtard, va! Et t'as pas honte? Et en plus, tu t'amènes et tu vas voir Vertigo et t'as voodoo! Sale chien, va! Même pas tu te caches! Fils de pute, va! Je te déteste! Je vais fumer une clope! Aïe, et voilà. Ouais. Calibre. Tu le tues ou je le tue? Je veux même pas le voir, il me dégoûte, je veux même pas le voir. Il me dégoûte. Tu le... Ce fils de chien en plus, il vient en plus. Ce bâtard. J'ai l'impression que ça va mieux ta jambe. Je crois que c'est la haine qui a parlé là. Nero. Si on le tue, il y a le FBI qui va le savoir, non? Ouais. La zone est le quadrillé. Ah ouais. Encore un de ces pièges de merde. Ouais. On fait quoi? On a rien à foutre, hein. Pourquoi tu dis ça? Je parle trop avec les émotions. Vas-y, si tu veux le tuer, moi je m'en fous. Je suis trop émotif là, je peux pas. Ramène-moi une moto, s'il te plaît. On a les trois poyos là qui vous guettaient là. Ils sont où? Vas-y, attends, on va les emmène à la salle de torture, mais il y a le Hermano qui nous a aidés. Ils ont pas fait demande de renfort ou quoi? Non, rien du tout. On a directement demandé de jeter la radio par terre. Ramène-moi une moto, s'il te plaît. Okay. Oh, il y a pas de moto ici. Hein. Ah ouais?
Ouais, y'a plus de monde aussi. Moi qui est Pouka, Vlorio. Héro? Ouais. Tant qu'il y a l'autre, personne ne... Tes responsabilités. Montre-moi que t'as mûri, maintenant. Héro? Pourquoi t'as fait ça? Tu le sais très bien pourquoi j'ai fait ça, il t'a expliqué. Non, moi je sais rien du tout. Pourquoi t'as fait ça? Écoute Nero, si j'ai fait ça, tu te rappelles de la conversation qu'on a eue avec Vertugo quand on était seul avec la voiture? Tu m'avais dit que... Tu te rappelles, j'ai pas besoin de la redire. Tu te souviens? Ouais, je me souviens, ouais. Et bah moi, dans ma tête, il y a eu... Tu vois, comme dans... Tu sais, comme dans Jimmy Neutron, tu sais, quand il a une étincelle dans le cerveau. Et bah, il m'arrivait la même chose, sauf que moi, c'était pour un plan foireux, et je me suis dit que... Vu que ton ami, il m'aime pas, il peut pas me voir, et bah, j'allais attraper sa confiance. Et je me suis dit que nous foutons tous dans la merde, et si j'arrive à vous sauver, il allait me faire confiance, tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est juste ça que j'ai vu, en fait, Nero, j'ai jamais voulu, j'allais t'en redonner un autre, labo de maître, c'était pas ça le souci, le scientifique, il allait me redonner un autre, c'est rien, c'est éphémère, ça, mais j'ai merdé, mon plan, il était foireux, ton gars, il était pas censé être là, je voulais pas qu'il soit là, de base, et il était là, sauf que le plan, il était déjà démarré, il était en marche, et j'ai merdé, mon plan était foireux. Srod. Oui. À quel moment on vend ses potes? Jamais vendu, c'était... J'allais te vendre pour te racheter. Tu m'as vendu, Srod. Pour te racheter. Non. Je t'ai tout donné, hein. Je t'ai donné tu mon m'as donné visage. Quoi je t'ai donné mon visage, je t'ai donné mon lit, je t'ai donné qui je t'ai dit qui j'étais. Je t'ai tout donné, tout. Tu m'as donné, c'est tout moi donné. Qui t'ai tout donné, Nero, tu te fous de ma gueule. Je te parle en sorte de la confiance, je t'ai tout donné. Mais y a c'est pas moi qui t'ai donné de la confiance, Nero. Écoute. Ah ouais, tu m'as tellement donné de la confiance que j'ai eu les flics au cul. Ça c'est de ma faute, j'ai merdé. En fait, ce que tu sais pas, c'est que si je m'étais fait attraper, c'était fini pour moi. Je me suis déjà fait attraper une fois. T'aurais fait sortir de là, Nero, je te le dis. Mais dis-moi comment, Srod. Je te dis que je t'aurais fait sortir de là. Ton excuse c'est de la merde. Tu voulais juste tous nous faire tomber. Non, pas du T'étais tout. T'étais gourmand. Si, Nero, tu voulais tous nous faire tomber. Nero. Tu sais, on m'a dit plein de choses sur toi. Je suis au courant de tout sur toi. Si je voulais te faire tomber, je t'aurais piégé dans ton labo de maître depuis longtemps. Je vous ai déjà vu plusieurs fois. J'aurais pu vous faire tomber depuis longtemps. C'était pas du tout ça le but. C'est nul. Je vous ai ramené des vieux poulets. C'est des sgegs, les policiers. Tu crois vraiment que j'aurais ramené des policiers si je voulais vous faire tomber? Sois intelligent un peu, putain. Je suis en train de rêver. En fait, je sais pas si t'es normal. Ou si t'es vraiment en train d'assumer ta connerie jusqu'au bout et t'espères qu'il va y avoir un revirement de situation. Parce non, que j'ai l'impression non. que si tu fais tes aveux, j'ai l'impression que tu sais que tu vas être baisé. Mais dans tous les cas, t'es déjà baisé. Tu bosses avec le FBI. J'ai bossé pour le FBI pour une mission précise. Srod, arrête, Srod. T'as dit qu'il n'y avait rien qui t'intéressait. Toi, tu voulais que tout se passe bien en ville. Je t'avais même appelé le doyen de la ville. Mais en fait, t'es le fils de pute de la ville. T'es pas le doyen. Écoute-moi bien, Nero. Il y avait une entité qui voulait ma mort, et c'était le seul moyen pour que je les fasse disparaître, c'est tout. Ah, ok, là on discute. C'est qui? C'était Epsilon. Epsilon voulait ta mort? Ouais. Et c'est quoi le rapport avec nous? Je me suis servi... Non, mais c'est pour te faire comprendre pourquoi je travaille avec le FBI. Le FBI n'a jamais eu aucun rapport avec vous. Je vous ai jamais ramené le FBI dans vos culs. Il n'y a jamais eu le FBI avec vous. Ça sert à rien. Le FBI, je les ai utilisés... J'ai utilisé l'FBI pour détruire Epsilon. C'est tout. Ils sont tous morts à l'heure actuelle. Mais pourquoi ils voulaient ta mort, Epsilon? Parce qu'ils blanchissaient et ils voulaient me tuer parce que j'étais un blanchisseur. Et j'avais les taux les plus bas de la ville. C'est les enfants de Diego, tout comme moi. On était les deux enfants de Diego. Eux et moi. Les deux entités qui faisaient le plus confiance. Tu m'en as mis des bonnes, Nero. Non, ça passe pas. Nero, moi je t'ai dit, je te parle sincèrement, je t'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, je m'en excuse encore. T'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si je sais que c'est plus réciproque. C'est pas grave, je me suis foiré, ça peut arriver, j'ai toujours réussi tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et bah là, j'ai complètement merdé. Non, à cause de toi, j'ai passé ma vie au trou, là. Non.
Non, je te reste au fait. T'as pas prendre. Non, 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 t'as rien sauvé du tout. T'as rien sauvé du tout. À cause de toi, j'allais finir dans la merde. Mes potes allaient finir dans la merde. Tout le monde allait finir dans la merde. Juste parce que tu voulais nous baiser. Non, ta soi-disant évasion ou je sais pas quoi. Que tu veux te rapprocher, je ne sais qui. C'est de la grosse merde. On t'a tous ouvert nos portes ici. Tu venais autant que tu voulais au barrio. Tu voulais, t'avais besoin de quoi que ce soit, on venait. Même au moment où tu t'es fait kidnapper. On est venu te chercher, espèce de sale chien que t'es. Hein ? On est venu te chercher à ce moment-là. Nero. Tu te rappelles ou pas à ce moment-là ? On a pris des risques pour toi. Et d'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu nous envoies la police. Non, non, non. Par contre, ce petit jeu, tu vois, là, j'admets mon erreur. T'es libre de croire ce que tu veux, de pas me croire. C'est des faits, c'est même pas ce que je crois, c'est des faits. Non, de croire ce que tu veux. Mais par contre, me faire croire que tu m'as tout donné, ça. Non, 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 Nero. Ça, non. Tu m'as rien donné. C'est toujours moi qui t'ai tout donné. Tu m'as donné quoi, un labo ? Tu m'as donné un labo pour me la mettre dans le cul. Mais t'as fait des sous avec. Quel sous ? J'ai commencé, tu m'as envoyé les fêtes dans la gueule. Oui, mais je t'ai toujours aidé. Je t'ai jamais mis dans la merde. Le seul moment où je t'ai mis dans la merde, je me suis foiré. Là, je me suis complètement foiré. Le labo, j'allais t'en donner un. J'ai toujours tout donné. Vertugo, pareil. Je lui ai jamais rien demandé. Je lui ai blanchi son argent. J'ai jamais rien demandé à personne. Ah, par contre, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut pas dire. Mais je me suis foiré, c'est de ma faute. Si vous voulez pas me croire, c'est votre droit. Moi, je vous dis juste pourquoi, comment, le pourquoi du comment et pourquoi ça s'est fait. C'est ma version. Tu peux ne pas me croire, c'est normal de plus me faire confiance à ce stade-là. Voilà. T'as quelque chose à dire avant de mourir ? Non, 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 j'ai rien à dire. Pour ça, vous dans un projet. T'es sûr ? Jusqu'à la mort, tu vas pas assumer, quoi. Non, non, mais vraiment, j'ai été honnête, là. Depuis à la fin. Non, mais vieux. Que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas assumer que ce que t'as fait, c'est de la merde et que tu mérites de mourir, quoi. Mais que... je l'ai dit depuis tout à l'heure que j'ai fait de la grosse merde. J'ai été une merde. J'ai fait non, un plein de merde. Mais que tu mérites de mourir. Si tu penses que je mérite de mourir, je mérite de mourir. Je te pose la question, Srod. Tu mérites de mourir ou pas ? Ça dépend de ton point de vue. Si tu me fais pas confiance, c'est que tu me crois pas. Je te pose la question, Srod. Oui, je mérite de mourir, oui. Tu mérites de mourir ? Oui, oui, oui. Pourquoi tu réponds pas ? Mais parce que tu veux me faire sortir les mots. Parce que moi, je sais que je suis sincère. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Parce que j'ai fait une erreur, mais une grosse erreur qui se répare pas. Mais bon, vu que vous me croyez pas, c'est logique que vous me croyez pas. Vous pouvez plus me faire confiance. Srod, si tu voulais te rapprocher, fallait être droit et juste. Toujours été droit. Non, à partir du moment où t'as balancé des gens, que tu t'as amené la police, un labo dans lequel on était enfermé, t'as pas été droit. Si tu voulais. Méfie de moi bien avant ça. Et si jamais j'avais vu. Je me méfie pas que de toi, je me méfie de tout le monde. Non, 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 non. C'est pas ce qu'on m'a dit. Comment ça, non ? C'est pas ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit quoi ? C'est pas ce qu'on m'a dit, c'est tout. Qui t'a dit quoi ? Lorio, s'il te plaît, Nero, vous pouvez dire un truc ou pas ? Quand j'ai des rendez-vous, que je parle avec des gens que je connais pas, je suis comment ? T'es comme d'hab, t'es comme avec tout le monde, quoi. T'es pas différent des autres. Exact. T'es sûr, Nero ? Ouais. Ok. Sûr à 100%. Pas de soucis. Les gens, à force de les côtoyer, de me rendre compte qu'ils sont droits, là, je peux me faire un dessin du personnage et là, je peux peser le pour et le contre et savoir si jamais je peux leur faire confiance ou pas. Toi, en une semaine, t'as balancé le labo, il y avait moi, il y avait Vertugo, il y avait Nero, il y avait Widman, il y avait tout le monde. T'es une balance, tu le sais ou pas que t'es une balance, peu importe les raisons. Il y a des gens qui balancent parce qu'ils ont peur pour leur vie, il y a des gens qui balancent pour de l'argent, il y a des gens qui balancent pour du pouvoir. Quoi qu'il arrive, ça reste des balances. D'accord. T'as fait un caprice, tu voulais savoir tout, mais tu peux pas tout le temps savoir. Je voulais rien savoir. Ça bah si, tu voulais savoir son identité à lui, t'as fait tout ce bordel pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais pas savoir son identité, je voulais juste me rapprocher. Pourquoi de lui, je m'en bats les couilles de son identité. Bah oui. Eh ben ça veut dire quoi ça? Je te l'ai déjà demandé une seule fois son identité moi. Alors pourquoi ça tire au tacos? Nero, tu sais très bien que c'est parce quoi? Tu sais très bien ce que tu m'as dit Nero. C'est parce quoi Réfé? Nero, tu sais très bien ce que tu m'as dit. Il y a vraiment trop de monde qui passe au barrio qui drive. Tu sais Nero, tu sais très bien ce que tu m'as dit. Ouais, sors la caille, tu tires à vue. Voilà. Non, mais non. Il comme ça il y a la police qui vient. Mais non, tu sors pas une AK. Viens voir. Deux fois, on pète Mason avec des poyos qui tournent autour et là ils viennent d'arriver au tacos, ils viennent de drive-by. Les flics ?
Mason, c'est qui? C'est un flic. Ouais, ouais. C'est les poignards. Attends, je vais appeler Mason. Parce qu'il a donné un call. Sortir la cas, la vie. Allô, de mère, hein. Allô. Il se passe quoi au Barrio Vagos? J'ai pas de balle de... Allô. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Il se passe quoi au Barrio Vagos? Il se passe quoi? Ouais. Je sais pas. Mais ils m'ont dit qu'ils t'avaient chopé, que tu traînais autour et tout. En gros, ouais, j'y suis. Dis-moi si jamais je me pète ou pas. Est-ce que tu te pètes? Non, il se passe rien, t'inquiète. Tu peux te péter. Mais Mason, tu vas pas me baiser. Y'a pas. Je t'ai déjà baisé. Non, tu m'as jamais baisé, mais y'a pas une descente qui se prépare ou quoi? Aucune descente. Alors pourquoi tu tournes autour? Pourquoi je tourne autour? Ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais au quartier Vagos? Attends, mais tu joues à quoi là? Pourquoi tu prends un air arrogant et non, tu poses des questions? Non, je prends pas un air arrogant, mais je pose des questions parce que j'aime poser des questions. Bah rien, on est en train de discuter et du coup, pourquoi tu traînes autour? Je suis vraiment pas en train de discuter. Tu es en train de quoi alors? Moi, je pense plutôt que tu es en train de faire autre chose. Faire quoi? Regarde ce qui se passe, hein. Et je vais te faire tout le schéma de ce qui vient de se passer. J'étais dans le coffre de Srod. Précisément. Ouais. Tu me suis ou pas? Ouais, ouais. Srod est parti voir Guero. Guero est parti dire à Srod d'aller se garer dans le... Il savait que t'étais dans le coffre, Srod? Il savait que t'étais dans le coffre, Srod? Non, il le savait pas. Ok. À la base, j'enquêtais sur Srod. Srod est parti au quartier Vagos. Il s'est fait braquer. Et actuellement, Srod est pris en otage où il est certainement mort. Oui. Au vu de tout ce qu'il me disait. Oui, et? Donc, tu ne faisais pas que discuter. Mais on discute avec Srod, quoi? Mais je sais pas, moi, je fais juste mon truc. J'ai le droit quand même. Ok, mais est-ce que la question c'est est-ce que tu fais ton truc en tant que flic ou est-ce que tu fais ton truc en tant que Mason en fait? Je fais mon truc en tant que Mason, mes petites infos. Ok, oui, il y a Srod qui est avec nous. On est en train de lui parler. Ok, parfait. Ok, et j'ai. Non, il n'y a pas de descente qui se prépare. Ok, voilà, super. Rien du tout. Merci. Je vais faire ton truc. Pas de galère. Alors? Rien, alors il voulait savoir ce qui se passait avec Srod. Il y avait Srod. Il y avait Mason dans le coffre de Srod. Ouais. Quoi? Ouais, je m'en doutais. Srod. Quoi? Mais c'est pas vrai, j'ai vérifié mon coffre, il y avait rien dedans. Srod, tu sais que même si on te tue pas, on t'en parlera plus jamais. Tu t'approcheras de plus personne. Tu resteras vraiment un SDF pour le coup. Et pas juste un SDF qui fait du business. Tu resteras dans ton coin et on te regardera de loin et on te méprisera. T'es au courant, ah ouais, ou pas? Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu le sais ou pas? Dans tous les cas, tu gagneras la confiance de personne ici. Tu le sais ou pas? Bah écoutez, faut toujours se racheter, hein. Et il parle encore de se racheter, hein. T'as quelque chose à dire ou pas? Non, non, pas vraiment. Faites attention à vous. Ah, j'arrive pas à le tuer, il me dégoûte, j'arrive pas, je te jure que j'arrive pas. Il est là, il assume rien, ce chien là. J'arrive pas, je peux pas le tuer, je suis désolé, j'arrive pas. Et il te faut quoi? Je sais pas, il est là, il dit faites attention de... Je peux pas, je me casse, il me casse les couilles. Reste là. Un mot. Gardez-le. Je peux pas, je te jure. Et donc la solution? Je peux pas. Tu te rappelles, je t'ai dit quoi, Nero? J'ai l'impression que ça va rester dans ma tête qu'il aura gagné. Qu'il aura gagné? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va rester dans ma tête en fait. J'ai l'impression que ça va me hanter. Genre. Je sais pas, j'ai l'impression que je le tue, mais je sais pas. Et je pense aussi un peu au FBI. Je me dis, si on le tue, on va donner de quoi manger au FBI. C'est horrible. Je te jure, je suis tiraillé, genre, patron. Je suis tiraillé de ouf. Je te jure, j'ai pas peur de tuer, j'ai pas peur, mais. En fait, j'ai l'impression que je peux tuer que sur la haine, que sur commande, j'ai plus les mots. Donc t'es en train de faire entrer en prison. T'es en train de faire ce que t'as reproché à Vertigo. Non, moi je l'ai même pas braqué, moi. Non, mais en gros, Nero. Il a failli te faire entrer en prison. Tu l'as oublié. Donc pour nous, tu nous as fait la guerre, mais pour lui, tu vas laisser en vie.
Eh, comme tu veux, hein. Si jamais tu veux pas le faire, moi je le fais, Weedman il le fera, hein. Allez, c'est pas trop, faites-le, mais moi je veux pas. Ça fait. Moi je peux le faire, hein, aussi. T'es sûr, Nero? Ouais, je peux pas. Désolé, je sais que je vous déçois. Punissez-moi pour ça. Voilà, mettez-moi sur le côté pendant un moment, mais je peux pas le tuer, genre. J'ai trop été déçu, genre, je sais pas, je tombe de haut encore, je réalise pas en fait. Je réalise pas, je. Bon, on est que nous trois. Qui le fait? Bah, moi je veux bien me mouiller. Pookie, il a pas hésité une seconde, t'allais aller en prison. Il allait tous nous faire tomber. Toi, moi, Nero. Vertugo, tout le monde. Tu vas le laisser vivre? Rien. Après, il a donné beaucoup aux pauvres. Tu vas le laisser vivre? Ça peut faire pencher la balance. Tu vas laisser vivre un indique? Hein? Tu vas te faire baiser par un clochard? Il a raison, je suis qu'un simple clochard. Je suis une merde. Fred. Avant j'étais comme toi mon ref, j'étais un clochard. Bon maintenant j'en suis plus un mais je sais ce que tu ressens. T'as des dernières paroles? Non, juste faites attention à vous. Ok. Allez Weedman. On se casse. Attendez avant de sortir, attendez. Prenez-le, enterrez-le, faites le truc correct. C'est sécurisé, refait, c'est sécurisé. Sortie sécurisée, tout le monde tourne autour. Allo? Ok, faut sortir le corps là. Allo? Allo, tu m'entends? Ouais. Bougez du quartier, il y a des mecs du FBI qui sont à côté qui vont faire des codes. Ok. Il y a le FBI pas loin. On se pète. Refait. Et rebouge. T'entends, les flics ont ouvert une enquête sur moi. Esred avait mon nom, donc il y a moyen qu'ils nous débalancent avec Nero. T'as dit quoi? Allô? Allô? Ouais, je viens de recevoir ton message là. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, t'entends, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquillement. Je viens de voir ton message. Ouais, là c'est la D là. Ouais. Ben ouais, à fond. Ils ont une enquête sur moi, mais je sais pas pourquoi en fait. Ils t'ont dit... Je vais aller voir avec Tata là. Ils t'ont dit quoi? Bah je vais y aller là, je vais y aller avec Tata vu qu'elle est avocate comme ça. Moi je dis pas de la D, je la laisse gérer. Moi je te dis un truc, je vais appeler ta tante là. Quoi qu'il arrive, s'il a balancé, plaide coupable, tu vois. Ouais. Tu dis que t'es un petit dealer, t'en couvres rien de bien méchant. Tu vois, je dis juste, ouais, voilà, moi je vendais, je voulais de l'argent et. Moi ce que je pense c'est qu'ils ont pas du gros concret sur moi. Bah oui, je pense qu'ils savent juste que voilà, ça est dans le labo et tu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Vous avez des nouvelles vous de lui ou pas? De qui? Bah de Thread au dernier. Il est mort. Ah ok, ça y est déjà? Ouais, c'est bon. Ok, ça marche. C'est bon. Okay. Je te tiens au courant pour le truc que tu voulais là. Ok, parfait, ciao. Tonton, merci. Ciao. Vas-y, ciao. Bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Désolé pour le retard. J'aime bien être ponctuel, mais là j'avais pas le choix. Un petit souci? Un petit souci réglé, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y aura plus besoin de chercher Thread. Vous l'avez tué? Ouais. Finito. Ok. Vous voulez l'argent, je suppose? Je suppose, ouais. Tenez. Oh, écho.
récupère. Tiens. Normalement, si tout se passe bien, il le prend, il me braque avec. T'en prends soin ? Ouais. Vous, ce qui vous manquait, c'était une confiance, c'est ça ? Ouais. Malheureusement, pour le coup du SRUD, c'est pas possible. Oui. Je vous propose autre chose. Dites-moi. C'est ça. Je vous montre mon visage. Enchanté. Enchanté. Vous me connaissez ? Non. Non plus. C'est Nero. Je suis l'agence immobilière. Ok. Et c'est pour ça que la dernière fois, je vous ai proposé des services... De garage. Tout à fait. Des dissimulations de prénoms, noms. Qui peuvent être très utiles. Sous là que ça avait raison. Comme je t'ai dit, enchanté. Est-ce que cette confiance est un minimum gagné là ? C'est cool. C'est un début. Ouais, voilà. Parfait. On a fait un pas. C'est déjà bien. Oui, c'est vrai. C'est parfait. Alors. Je tâcherai de m'en rappeler. C'est gentil. Comment on peut vous appeler du coup ? Kala. Kala ? Ouais. Bon, enchanté du coup. Moi, c'est Monsieur Tanaka. Enchanté, Monsieur Tanaka. Je pense que nos affaires sont terminées. Vous avez du pouvoir, Monsieur Tanaka. Pourquoi il fait le mec bourson, en lui ville un peu. Quand vous dites du pouvoir, c'est-à-dire ? Pouvoir politique, présidentiel, tout ça là. On connaît du monde, en effet. Vous vous présentez pas, vous, par hasard ? Non. Pourquoi ? La politique, ça m'intéresse pas. Ou bien ? Je préfère le business. Oui bien, j'aurai peut-être quelque chose pour vous d'ici quelques jours. On verra votre efficacité à ce niveau-là. Ok, pas de soucis. Je passerai par Echo. Entendu. En tout cas, c'était un plaisir, monsieur, d'avoir fait affaire avec vous. Partagez. Et puis, peut-être qu'on se reverra. Certaines choses. Faites-en bon usage. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'y manquera pas. Bonne soirée, messieurs. Au revoir, Aiko. Bonne soirée, Aiko. Au revoir. Bonne soirée, très beau tatouage. Depuis petit, on me racine. Faut des lorettes pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qu'ils me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.